Et bonjour, bonsoir YouTube, c'est Alcia. On se retrouve pour une vidéo d'ouverture et c'est le coffret Megaptera X que j'ai choisi d'ouvrir. Donc je peux pas vous le montrer mieux que ça parce que j'ai pas forcément beaucoup de place. Et puis quand je me recule, ça fait tout flou, ça fait pas beau. Assis-toi. Je suis obligée de surveiller les chiens en même temps, hein. Vous m'excuserez, mais voilà. Parce que j'ai pas envie qu'elle aille dans ma chambre, parce que j'ai mon chat qui est dans ma chambre. Et quand mon chat est dans la chambre, la porte reste ouverte. Et le problème, c'est que madame a tendance à entrer dans les pièces. Et généralement, elle fout un gros boxon. Donc voilà. Alors, je vous ai même pas montré l'arrière. Je m'excuse, hein, je vous montre quand même l'arrière. Voilà, vous pouvez faire une petite pause. Je vais essayer de vous montrer quand même ce qui est écrit. Si vous arrivez à lire, mais voilà. Mais voilà, c'est pas. C'est pas très très important. Hein, c'est juste pour nous dire. Qu'on trouve dedans et puis alors j'ai pas lu le descriptif. Je vais vous lire le descriptif même si pour moi il est pas important. Megaptera X, un Pokémon fossile volant qui a la griffe dure. Grâce à ce coffret Megaptera X, utilisez le Pokémon fossile dans vos prochaines parties. Sous-entendu partie de TCG. Lequel je ne joue pas. C'est dommage. Ça m'intéresserait d'apprendre à jouer au TCG et souci c'est que j'ai absolument pas du tout le temps. J'espère que vous n'aurez pas vu le code, puisque le code je le réserve pour quelqu'un. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais que j'avais très envie de me faire un petit peu de TCG. Et le souci c'est que j'ai... Et désolé de ce gros fail. Malheureusement, quand on n'a pas beaucoup de place, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et donc ma caméra est tombée. Bref, j'en ai profité pour sortir les 5 boosters du coffret. Hein. Donc si vous avez fait pause, que vous avez lu, vous avez bien vu qu'il y a 5 boosters. Au cas où, je vous le remonte. Voilà, hein, c'est bien 5 boosters et pas 4 comme de la plupart des coffrets. Je vous montre quand même la carte qui nous intéresse, donc le Megaptera X, qui est juste magnifique, j'adore. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on voit que la gueule et pas du tout le corps en fait. Ça aurait été bien qu'on puisse voir un peu de profil, genre la gueule et une aile, ou quelque chose comme ça. C'est la XY98, une carte promo. Et puis je vous présente la carte Jumbo, oui, je sais plus dire. Malheureusement, je peux pas la cadrer mieux que ça et va falloir vous contenter de cette mise au point. Voilà, la XY98 qui est une promo. Alors par contre, elle s'est pris un méchant coup de griffe juste ici. Moi je le vois, mais à la caméra je pense pas que vous le voyez puisque la mise au point se fait flou en fait sur mon appareil. Qu'est-ce qu'on a en booster? On a du offensive vapeur, un impact des destins et deux autres offensives vapeur. Bon bah, on va commencer par l'impact des destins. Je savais pas du tout qu'on avait impact des destins. Enfin, j'ai pas fait attention quand j'ai pris les coffrets. Bon, après, c'est pas gênant, hein. Moi ça me dérange pas. C'est pas une série que j'ai collectionnée, donc je vais pas dire que ça me dérange plus que ça, mais c'est pas non plus la carte la pire, quoi. Je vous donne le petit code online.
Et on est parti, donc j'ai pas du tout collectionné Offensive Vapeur, je connais quelques cartes, hein, parce que bon, c'est vrai que j'en ai vu quand même pas mal sur YouTube, mais c'est pas une série qui m'attirait plus que ça. On commence avec un petit Fennec, la Chuchemur, Otaria, Doudouvé, un petit Riolu, le lien spirituel d'Altaria, les méfaits de la Team Rocket, le jardin des fées, un Scrutella en commune reverse et en rare. D'accord, non, en ultra rare, on aura un petit Givrali X. D'accord, et c'est là 116 sur 124. D'accord, je sais qu'il y a un Noctali et ça m'aurait bien plu de tomber sur Noctali. Bon, par contre, l'état de la carte, hein, regardez le bord, comment il est blanc quoi. Je sais pas si c'est un problème au niveau de la coupe ou autre. Mais voilà. Bon, ben, je pense que déjà ce Givrali ira directement dans ma collection de full art. Parce que j'ai l'impression que je mets que les full art. Bon, je l'ai peut-être déjà dit dans une précédente vidéo, je ne sais pas. Enfin bref. Non, ça, le PC ne s'est pas éteint. Ouais, je suis en upload de vidéo, donc je vérifie quand même que mon PC à côté ne s'éteigne pas. Un petit code online, juste pour vous. J'espère que je me suis pas foiré, parce que j'ai l'impression de m'être foiré. Enfin bref, si je me suis trompé, hein, vous ne m'en voudrez pas. Un petit Wistikram, pour commencer avec Offensive Vapeur. Soloshi. Sac de nœuds, Cradopo, Moustillon, Brésillon, Dinoclier, la recharge spéciale, en reverse, et c'est une holo reverse, Xerneas, et en rare, un Coatox. D'accord, bon, bah, c'est une piètre ouverture. Bon. C'est toujours bien d'avoir deux rares dans un booster, mais je n'ai pas beaucoup d'ultra de cette série. J'aurais bien aimé une ultra dans cette série. Là, je suis un peu gourmande hein, avec le Givrali X, là. Je suis un peu gourmande quand même. Bon, on a le droit d'être gourmand, hein. Rien ne nous l'empêche. Je suis agréablement surprise de voir que les boosters s'ouvrent très bien quand même. Le petit code est pour vous. Oui, je donne les codes hein, maintenant parce que j'en entasse tellement chez moi que voilà. Un Miaouss, un petit Ponyta, Furégon, Pyroni, un Statitic, un Diama. Dinoclier, le lien spirituel Stylix, en reverse, en commune reverse, le petit Wistikram que je trouve absolument trop mignon, et en rare, et ben, Yvelta Lolo. Bon, c'est une Lolo que j'ai déjà, mais très belle. J'adore Yvelta en plus, donc oui, je préfère Yvelta à Xerneas. Je sais pas si ça pose un problème à quelqu'un, mais mes goûts sont comme ça, je préfère Yvelta à Xerneas. Parce que les Pokémon Bambi, à part Terfus, qui était rigolo pour la 2G, non. Oui, je trouve que Terfus était très très drôle pour la 2G. Et voilà. Hop là. Le petit code. Tarinor, Elionso, Sologie, j'ai les cartes qui se barrent de ma main, c'est terrible. Granivol, Funessir, Clic, la recharge spéciale, Nidorino. Oh, j'adore l'illustration. J'ai pas souvenir d'être tombé dessus, mais j'adore l'illustration. On reverse un petit Sologie qui est une commune reverse. Je suis obligé de regarder par-dessus l'appareil, je suis désolé. Et on va.
D'accord. Donc, en secret, nous aurons un petit volcan annexe. 115 sur 114, je sais pas si ça se voit. J'ai une grosse tache. Une énorme tache. Ouais, voilà. Ça se voit un petit peu, mais 115 sur 114. Ça se voit un petit peu. Mais j'ai une énorme tache, moi, sur mon écran d'appareil. Pour filmer, c'est pas top. Par contre, elle est neuve. Ça, c'est nickel. Et eh bien écoutez, je la mets de côté pour faire un petit récap. Ce coffret est juste pété. Ce coffret est juste pété. Hein, voilà. On ne le dira pas assez. Par contre, je vois qu'il me reste 30 secondes de film sur la caméra. Donc, je vous reprends tout de suite. Et donc, relais gens. Je vous ai repris, j'ai refait une petite macro, j'ai juste fait ça entre temps. J'ai surveillé mon PC pour pas qu'il s'éteigne évidemment. Je suis désolé hein, si vous entendez un petit bruit en fond, c'est le PC qui upload. Une, et on termine par le booster offensive vapeur à l'effigie de Volcanion. Volcanion que nous venons d'avoir en secrète. Donc autant vous dire que ce coffret, il est pété. Voilà. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus, je voulais entamer une phrase et je me suis fail en essayant de vous la dire. Voilà, le dernier petit code online. Et on continue avec un petit granivole. Miaous, flingouste, sans coquille, furéglon, persian. Ok, donc on aura un petit azumarill en peu commune, donc azumarill shiny. Azumarill double type, d'ailleurs j'adore ces cartes double type, je trouve que ça leur rend... Je peux pas dire une grâce ou quelque chose comme ça, mais... Ça rend vraiment un style que je trouve que j'apprécie énormément en fait. Bref, Matloutre. En reverse, et c'est déjà la dernière reverse, le petit Cradopo, qui est une commune reverse. Par contre, on sera pas gâté sur les reverse. Je crois qu'on aura eu une holo reverse et le reste c'est que des communes reverse. Et en rare, un petit Cotovol. D'accord, d'accord. Eh bien écoutez, ouverture plutôt sympathique, ma foi. Ça mérite vraiment un petit récap. Mais vraiment un tout petit récap. Parce que je pense que je vais mettre une plombe à uploader juste une vidéo. Sachant que j'en ai déjà une en cours. Donc voilà. Je fais une coupure juste pour reprendre les bonnes cartes. Et puis. Et donc, les gens, on se retrouve pour le petit récap. Petit récap peut-être un petit peu fort sympathique. Au vu de ce coffret qui contenait 5 boosters. Donc on aura eu un Mega Pierre X qui est la carte promotionnelle et qui était accompagnée d'une carte Dumbo au même effigie que la X, hein, le Mega Pierre. Que j'aime beaucoup la carte, mais c'est sans plus quoi. Je trouve que le Pokémon n'est pas assez mis en valeur. Nous aurons eu un petit Tivaltal en holographique que j'adore. Clairement, j'adore Tivaltal, donc je ne pouvais qu'adorer cette carte. Nous aurons eu également booster pas pété du tout, hein, puisque nous avons eu... Ah non, je crois que c'est une commune reverse qu'on a eu dedans. Je sais plus. J'ai pas mes cartes à côté, donc je peux pas vous le dire. Enfin si, elles sont en pile, mais j'ai la flemme de chercher. On aura eu un petit Givrali X Full Art qui est juste sublime. J'adore ce Pokémon. Enfin, j'aime les évolutions en général. Bon, RIP, les 4 et 6G. Mais là, pour le coup, j'aime beaucoup l'illustration de Givrali dessus. Bon, après, il n'a pas forcément des attaques trop pétées non plus. Donc bon. Voilà. Et puis, nous aurons eu. Le Volcanion X secrète. Voilà, voilà. Donc, autant vous dire que je vous fais un petit patch avec les bonnes cartes qu'on a eues. Et clairement,
Sur 5 boosters, on aura eu une holo et deux full art, dont une secrète. Donc, ce qui fait 3 bons boosters sur 5. Donc, ça fait plus de la moitié des boosters qui étaient viables dans ce coffret. Voilà. Donc, j'espère que je retrouverai d'autres coffrets parce que j'en ai vu sortir récemment. Mais chez moi, ils sont toujours pas arrivés. Donc, pour l'instant, je reste à l'affût. Je surveille si je les vois. Sinon, j'essaierai de me procurer. Bon, moi, j'avais l'idée de vous sortir un coffret Pikachu. J'ai du mal à le trouver maintenant. Ou alors à des prix complètement inabordables. Donc, je sais pas. Vous me direz ce qu'il en est pour le coffret Pikachu dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis ciao, bye bye, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens!